Le milieu du cirque est en deuil depuis samedi 6 avril. La vedette du cirque équestre, Alexis Grus, est mort à l'âge de 79 ans dans un hôpital parisien, des suites d'un accident cardiaque. C'est un moment très triste, mais néanmoins inévitable, que le clan d'Alexis Grus a traversé dans la matinée de ce jeudi 11 avril. Les proches de cette vedette de cirque s'étaient réunis sur le parvis de l'église Saint-Roch à Paris, pour rendre un dernier hommage à Alexis Grus, figure de ce monde du spectacle, emporté par un accident cardiaque, à l'âge de 79 ans, samedi 6 avril dernier. C'est sa famille qui, par le biais d'un communiqué, avait annoncé son décès le même jour. Alexis Grus était bien plus qu'un homme de talent, il était un pilier, un maître des arts équestres et du spectacle, dont l'empreinte restera à jamais gravée dans nos cœurs. Il a consacré sa vie à faire perdurer les arts équestres de la piste par ses enseignements, et sa transmission, inspirant des générations entières, avait notamment écrit son épouse Gispy. Tous se sont donc réunis en ces moments difficiles, se soutenant à renfort d'accolades et de sourires chaleureux. Pour dire adieu aux patriarches, enfants et petits-enfants avaient bien sûr fait le déplacement. Ils ont même porté le cercueil en bois verni, jusque dans l'enceinte de l'établissement religieux. À l'intérieur de l'église, une photo emblématique de la vie d'Alexis Grus, lui représentait la main sur les naseaux d'un cheval, qu'il regarde fièrement. Des personnalités telles que Macha Merrill, Robert Ménard et son épouse, Hervé Villard mais aussi Mario Lurachi, ou encore Pierre Douglas, ont apporté leur soutien à ses proches. Né le 23 avril 1944, à Barthes, Doubs, Alexis Grus était devenu directeur de cirque dès l'âge de 27 ans. Il s'était imposé comme une référence, fusionnant talent musical et virtuosité équestre. Sa compagnie, les Folies Grus, a célébré 50 ans de création, enchantant Paris et le monde avec des spectacles où le rêve et la prouesse se rencontrent. Sa passion pour le cirque, il la partageait d'ailleurs avec des figures telles qu'Albert II et Stéphanie de Monaco, témoignant ainsi de l'influence et de la réputation qu'il avait su bâtir au fil des décennies. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.